Et hommage à Buni. C'est nos grands, ils nous ont donné le chemin. Ils ont ouvert la voie pour nous. Ils ont donné le chemin, ils nous ont ouvert la voie. Ils nous ont donné la force et l'énergie pour continuer ce grand chemin, pour le transmettre à nos enfants, pour que l'unité de l'Afrique Rastafari, que le peuple noir rayonne sur la terre. Dja! Rastafari! If you dear me, when I'm singing for the ancestral, for Jai dear, Rasta sing for her name Konanatin. When you see Cameroon man and come, Israel tribe of Israel, yes for the nation. Congo pisando is for yes,
Maasai, bonjour à tous. Alors vous êtes au Papa Rasta Show, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bonjour ou bonsoir. Alors c'est un Papa Rasta Show un peu différent aujourd'hui. Bonjour Mama Rasta. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Que la paix de l'éternel soit avec vous tous. On est spécial à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec trois artistes que vous avez connus déjà parce qu'on vous les avait présentés au dernier Papa Rasta Show. Donc on est avec Kelly Manaja, Djarabali et avec Dem Rabin. Donc c'est spécial Côte d'Ivoire aujourd'hui et on a plein de questions à leur poser. Des questions très importantes parce que c'est vrai que depuis qu'on fait nos émissions dans le Papa Rasta Show, ben, y a des questions qui nous arrivent, des auditeurs, des gens, des Rastas, des gens qui ne sont pas Rastas aussi. Et il y a une question très importante qu'on nous a posée aujourd'hui. On nous a demandé... la prophétie de Marcus Garvey, c'est-à-dire que quand un roi noir sera couronné, ça sera la délivrance de tout le peuple noir. Et effectivement, Haïlé Sélassié était couronné et vous connaissez tout ce qui s'est passé après avec le mouvement Rasta, etc. C'est parce que cette prophétie se réfère à une ancienne prophétie d'Isaïe qui disait que l'Orient, l'Occident renverra ses enfants en Afrique. Et donc c'est un retour massif du peuple noir vers sa terre d'origine, l'Afrique. Alors la question que le frère me posait, il me demandait, est-ce qu'on a une idée de quand ça va arriver ? Oui, merci à toi Papa Rasta. Grâce à Bernie Spear, celui-là qu'on a beaucoup aimé ici et qu'on aime beaucoup, Bernie Spear, on a connu la prophétie de Marcus Garvey. Cet activiste noir qui a toujours prôné pour le retour des Noirs en Afrique, surtout nos frères noirs qui ont été déportés depuis l'Afrique vers l'Occident. Marcus Garvey, qu'on sait qu'il est né depuis les années 1888 et est décédé malheureusement dans les années 1940, était celui-là qui souffrait réellement de tout ce qui était maltraitance des Noirs de l'autre côté des Amériques, a demandé à ce que les Noirs puissent être, pas rapatriés, mais avoir la volonté de retourner en Afrique. Parce que l'Afrique était réellement et est le berceau de cette humanité. Alors la question que je vais te poser, c'est quand d'après toi ce grand moment va arriver ? Moi j'ai ma petite idée, mais je voudrais vous poser à vous la question, quand ce grand moment va-t-il arriver en fait pour vous ? Aujourd'hui les Africains ont pris un peu trop le pas sur ce qu'on appelle la politique politicienne. Ils veulent ressembler forcément à ceux justement qui gouvernent Babylone. On a un sérieux problème aujourd'hui de leadership. Nous avons perdu nos valeurs, nos coutumes sont devenus aujourd'hui des ambigriots. Concernant réellement le leadership, les Africains même s'entendent difficilement entre eux-mêmes aujourd'hui. Ce n'est plus l'époque d'antan où Marcus Garvey connaît sa prophétie. Aujourd'hui même, pour nous les Africains, il y a un véritable problème de leadership, surtout que Babylone est venu gâter la tête de tous nos différents Africains avec ce qu'on appelle l'argent. Et le retour vers l'Afrique qu'on appelle Zion, je ne veux pas dire que c'est un véritable leurre dans la tête de toutes les personnes qui y croient, mais les Africains ont réellement besoin de se revoir quant à ce qu'on appelle la vie d'ensemble, la vie prônée par nos grands Rastas à l'époque et la vie de nos anciens. C'est là justement qui rêvait de voir les Africains unis. Et c'est compliqué aujourd'hui. Vous avez quelque chose à dire, Mama Rasta ? Oui, je voulais savoir, du coup, vous, en tant que résident africain, vous êtes du coup plus proche de Selassie que de la prophétie de Marcus Garvey, parce que Selassie avait vraiment une visée africaine, que Marcus Garvey s'adressait plus peut-être à tous les déportés d'Afrique. Revenez un peu vers l'histoire qui est un peu récente. Mais Sa Majesté impériale, son impériale Majesté Haïlé Sélassié I, le First, il a été trahi par ses confrères noirs, alors qu'il prenait l'union. Et là, on ne peut pas oublier cela. Et il gouvernait ce pays qui n'a pas voulu justement être balkanisé par les Occidentaux. Et là, c'est à voir. Parce que l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a vraiment pas été colonisé. Et là, je pense que c'est à voir et c'est à féliciter pour ce grand homme, Haïlé Sélassié. Mais malheureusement, il a été trahi par ses frères africains. Oui, alors j'entends bien ce que tu nous dis, mais il faut se remettre toujours
dans les contextes des prophéties et dans leur contexte historique. Esaïe Mamarasta, je pense qu'il vivait au 8e ou au 9e siècle. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Esaïe nous parle de plusieurs époques. Il nous parle de la première époque, d'une première déportation qui a eu lieu à Babylone, d'une deuxième déportation qui a eu lieu vers l'Afrique en l'an 70 quand les Romains ont envahi Jérusalem. Et il nous parle ensuite dans les temps futurs. Alors c'est là que ça devient intéressant et il nous parle aussi des îles lointaines qui seront à l'écoute de sa parole. Donc Esaïe a vécu au 8e siècle. Nous, on commence à être déportés avec l'esclavage, nos ancêtres, vers le 15e siècle. Donc il y a énormément de temps entre les prophéties. Alors pour répondre à ce frère qui me posait cette question, quand est-ce que le temps va arriver? Moi, je pense que Marcus Garvey, comme il l'a dit lui-même, Mamarasta, il était le... Je suis le... Comment il disait? Il dit « Je suis le signe avant-coureur d'une Afrique éveillée qui plus jamais ne s'endormira. » Donc je crois que avant que les Noirs du monde entier rentrent vers l'Afrique, il faudra une prise de conscience de l'esprit de Selassie, de la mentalité de Selassie, de la puissance de Selassie et dans tout le peuple africain. Donc c'est par cet esprit que le peuple africain va prendre conscience au niveau politique, au niveau traditionnel, au niveau à tous les niveaux de la société. Selassie va rentrer. Et les États-Unis vont se faire par le peuple, par le bas, les États-Unis d'Afrique. Donc voilà la réponse aux frères que je donne. Je pense qu'il faut du temps, que les prophéties, avant qu'elles s'accomplissent et se réalisent, ça met du temps. Et là, je suis d'accord avec vous, papa. Je suis d'accord avec vous parce que c'est une véritable renaissance qu'il faut. Surtout avec le combat qu'a mené Haïlé Selassie et qui a été repris par d'autres chefs d'État qui ne sont plus de ce monde. C'est ça le problème. Est-ce que l'Afrique, les Africains, peuvent être unis pour un seul combat? Parce que ce combat-là, il est très important. C'est ça, justement. L'union des peuples, l'union avec la grande philosophie rastafarienne. C'est une philosophie, c'est vrai. Mais qui fonde réellement ce qu'on appelle l'union des Africains entre eux-mêmes. Et c'est ce qui est aujourd'hui détruit par ceux qui sont de Babylone et qui font exprès pour pouvoir diviser le peuple d'Afrique, pour pouvoir régner. Et on n'a pas encore compris cela. Je pense que les choses ne viennent pas en un jour. La conquête par Rastafari de l'Afrique va prendre du temps. Mais elle va venir parce que c'est la seule voie, c'est le seul chemin. L'unité, le respect de la biodiversité. D'ailleurs, ça va être le deuxième débat qu'on va aborder, la biodiversité en Afrique. Et d'ailleurs, nous, on va faire un appel aujourd'hui parce que... Enfin, on vous expliquerait ça tout à l'heure. Mais vraiment... Cette unité va venir dans la conscience et à tous les niveaux de la société. Alors maintenant, nous les artistes, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on a lancé le temps des rois, la marée des rois et des reines d'Afrique qui vont dans chaque langue africaine, en anglais, en français, en langue traditionnelle, dans n'importe quel style de musique, qui vont enseigner Rastafari, l'unité de l'Afrique. Parce que, comme disait notre impériale majesté, dès qu'on est divisé, c'est une porte ouverte à l'envahisseur. Donc ça, c'est des choses de base que nous avons compris, nous les Rasta, et que nous allons maintenant essayer d'enseigner à tout notre peuple africain, dans tous les pays d'Afrique, et avec vous les gars, pour nous donner un bon coup de main à faire ça, tous les artistes de reggae. Tout le monde réellement des réalités ici en Afrique. Oui. On sait ce qui se passe. Et big up à vous, papa et maman Rastasou, de nous donner réellement la parole pour que nous puissions de façon universelle éclairer cet un peuple qui croit réellement en cette prophétie. Ça prend du temps, ça va être un travail de longue haleine qui va devoir peut-être se passer sur plusieurs générations. Mais je voudrais enchaîner avec une question à Adem Rabin, justement, parce que en ayant cette vision, bonjour, justement. Bonjour. Yes. Bonsoir, papa Rasta. Yes, I. Yeah, enchanté de t'avoir avec nous. En ayant merci justement cette conscience de Rastafari, d'Haïlé Selassie qui a fait l'OUA, qui s'est battu pour les États-Unis d'Afrique, dans ta chanson, tu nous parles d'Oufouette Boigny. Alors, on n'a pas trop compris la relation.
Ofo Bagni, c'est le premier président ivoirien. Je n'ai pas dit le premier premier ministre. Ensuite, il a été le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous, on est nés aux alentours de 1960. C'est Ofo qu'on a connu. Et au temps d'Ofo, il y avait la paix. Il y avait l'hospitalité. Raison pour laquelle dans ma chanson, qui est intitulée « Plus jamais », je dis « Plus jamais de politique identitaire, plus jamais de politique d'exclusion ». Au temps d'Ofo, il y avait l'hospitalité. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas d'exclusion. Et juste après le décès d'Ofo, il y a eu une division, c'est ça, j'appelle ça la politique identitaire, la politique d'exclusion. D'accord. Nous ne voulons plus ça. Je propose au public d'écouter la chanson. Comme ça, on va écouter ton titre et comme ça, okay. le public comprendra mieux de quoi on parle et puis ça reste quand même une émission musicale, ne l'oublions pas, c'est le Papa Rasta Show. Alors, on passe le titre de Dan Rabin et on revient avec vous sur ce débat sur la repatriation et sur la biodiversité avec nos trois invités. One Love. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Un nouveau départ est pris. À nous décrire la suite de notre histoire. Un nouveau départ est donné. Plus jamais, jamais dans le sang. Un nouveau départ est pris. À nous décrire la suite de notre histoire. Un nouveau départ est donné. Plus jamais, jamais dans le sang. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Plus jamais, jamais de politique identitaire. Plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Un nouvel espoir vient d'être donné. Dieu soit loué qui nous fit témoin de ce temps. Taisons nos querelles et faisons la paix. Ils ont oublié la paix.
sur l'unité nationale. Encore une fois, plus jamais, jamais de politique d'exclusion. Au Burkina, plus jamais, jamais de politique d'identité. Au Mali, plus jamais, jamais de politique d'exclusion. En Centrafrique. Alors après ce titre de Dem Rabin, oui, chanté bien sûr avec toute la ferveur de notre frère d'Abidjan. Alors bon, juste avant qu'on passe son titre, il était en train de nous dire qu'il avait trouvé plus de paix sous le régime d'Oufet Boigny. Mais bon, est-ce que cette paix qui était achetée avec aujourd'hui, tout le monde le sait, le trafic du franc CFA, avec tous ces contrats qui ont été passés qui empêchent aux Ivoiriens de créer des usines avec leurs produits qu'ils ont sur place. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout dans la zone toute l'Afrique francophone. Dans toute l'Afrique francophone. Alors, est-ce que cette paix que vous aviez avec Oufet Boigny, vous préférez ça ou plutôt le mouvement qu'avait lancé Laurent Gbagbo en essayant de se libérer totalement de ce colonialisme, de ce néocolonialisme? Comment vous voyez les choses là-bas directement au pays? Si cette paix au temps d'Oufet pouvait revenir, j'allais dire que c'était mon souhait. Parce que Gbagbo, il avait quand même une bonne philosophie. Lui voulait quand même tout arracher, tous les intérêts des Blancs en même temps, pour un premier ou bien un deuxième mandat. Donc c'était trop brusque en fait. S'il avait laissé le temps, autant, on n'allait pas avoir cette guerre. Comme il avait déjà montré son intention pour arracher tous les intérêts des Blancs, raison pour laquelle il y a eu cette rébellion. Sinon, s'il coopérait avec le Blanc, on n'allait jamais avoir cette division, cette rébellion en Côte d'Ivoire. Moi, c'est comme ça mon point de vue. Autant d'Oufet, il y avait la paix, il y avait l'hospitalité. On vivait à l'aise. On n'avait pas ce problème, on n'avait pas de problème de guerre. Parce que Oufet collaborait avec le Blanc. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un processus. Ça ne vient pas d'un coup, du lundi au mardi, ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. C'est doucement, doucement, ça doit venir. Mais Gbagbo avait une bonne philosophie, mais ça a été très, très brusque, guerre éclatée. Oui, oui, on entend bien ce que tu nous dis, mais si tu veux, nous, les Blacks français, d'origine africaine, ouais, on est, pour beaucoup d'entre nous, on est gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a participé à ce grand mouvement révolutionnaire en France pour essayer justement de combattre toutes ces inégalités, à commencer par les inégalités que nous vivons ici même dans notre propre pays en France, mais aussi aux inégalités que la France fait aux autres pays. Et ça, il y avait tout un mouvement en France qui était conscient de ça, parce qu'ils avaient compris que, de toute façon, si on n'aidait pas l'Afrique, c'est eux qui en souffriraient aussi après, par la suite. Donc, je pense que il y a un mouvement de conscience qui est mondial aujourd'hui, qui est mondial, et que les Africains qui vont continuer à essayer de faire une forme de collaboration en échange de la paix, ça ne pourra pas vous apporter le bien-être, je pense pas. Car tant qu'ils tiennent les rênes économiques d'autres pays, vous ne pourrez pas vous développer. Ouais. Donc, je pense qu'on est pris entre la chèvre et le chou, là, comme on dit chez Peter nous. Peter Tosh disait, il veut pas la paix, il veut juste la justice. C'est-à-dire que nous, on est dans un stade où on ne veut plus la paix, forcément, on veut la justice. On est dans un temps où maintenant, il faut réclamer la justice. Et le fait que vous soyez les premiers producteurs de cacao et que vous ne puissiez pas faire des tablettes de chocolat et vendre vos produits manufacturés, c'est pas de la justice. Ouais. Donc, c'est un travail qu'il faut continuer à mener, mais il faut chercher la justice avant tout, je pense. Parce que c'est la CAI, c'est le premier
à nous avoir éveillés sur ce genre de choses, parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et donc, il voyait bien les accords commerciaux qui étaient faits avec les autres pays d'Afrique. Il voyait que c'était de l'exploitation. Il essayait de les éveiller à ça, mais c'était pas facile. Nos pères n'avaient pas une connaissance de l'économie comme aujourd'hui les jeunes Africains peuvent avoir. Donc, c'est un combat qu'il va falloir mener sur plusieurs générations, sur plusieurs années. Il va falloir se battre pour ça, mais avoir notre indépendance économique, notre indépendance à tous les niveaux. Et puis surtout, je vois pas ce que les troupes françaises font en Afrique. Je voudrais vos points de vue là-dessus, les gars. Moi, je dis que la colonisation continue. C'est les fouets, les chaînes qui ont été remplacées par les multinationales. Le chemin tracé reste toujours le même. D'accord. La colonisation continue. Ouais. Et il est temps de casser ces chaînes, de briser ces chaînes. Ouais, mais on fait ça doucement, doucement. On ne pourra pas casser ça d'un seul jour. C'est au fur et à mesure, on va se déchaîner un peu. Alors, il faut les multinationales sont là pour couper la colonisation. Alors, il faut se rappeler ce que Bob Marley nous disait. Il disait, vous êtes un grand arbre, mais on a une petite hache. Ouais. Voilà. Alors, on va enchaîner en écoutant le clip de Djarabali. Hein ? Le dernier clip de Djarabali en quelle langue, on a une petite question sur ce titre, en quelle langue il est chanté? C'est en Bambara. Ici, on dit le Malinké. Pépé.
malheureux quand je pense à l'échangeur de la deux. Quand je pense au pompoir bleu, quand je pense à l'échangeur Macori. Paracala le 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 le, paracala le 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 le, paracala. Kala 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 kala, para kala le 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 le, para kala le 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 le, para kala, kala 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 kala. Il avait promis, il a réalisé. 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 Alors après ce titre, dis-nous Djarabali, mais qu'est-ce que tu nous racontes là-dedans? Parce que là, nous, on n'a rien compris. Je dis, après la crise que nous, on a connue ici en Afrique, chez nous, précisément en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens, tellement ils sont formidables, ils se sont relevés à une puissance montante très fort. C'est ce que je dis dans la chanson. Donc restons soudés pour pouvoir avancer, quoi. Yes, voilà, pourquoi je dis, ouais. Un bon message d'unité. Voilà, le message de Selassie, yes. Rastafari. Yes, I, yes, I. Ça, ça fait plaisir. Yes, I. Alors, on va profiter pour enchaîner. On va profiter pour enchaîner avec Maditem. Kelly, explique-nous ce que c'est Maditem. C'est un collectif. Qu'est-ce que c'est exactement Maditem? Maditem, en fait, c'est... Je prends pour le social. Vous savez, aujourd'hui... Même quand les politiques font les différents meetings et tout ça, ils oublient quelque chose qui est très important et fondamental. Aujourd'hui, le peuple en fait, quel que soit ce que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas énoncer, n'oublie surtout pas que des gens sont assis dans les caves, dans les villages et tout ça, ou bien ils sont assis, ils sont meurtris, ils ont faim. Oui, si je deviens tant, je ferai ça, d'accord. Mais il va falloir essayer de mettre tout ça en œuvre pour qu'ils voient de quoi il s'agit. Je parle beaucoup du social. Alors là, tu as vraiment touché un thème qui me touche beaucoup personnellement. Et aujourd'hui, je vais lancer un appel. Nous sommes un collectif au Cameroun, le Reggae 237, avec Reggae Village. Et les frères, parmi les frères Rasta, il y a des frères qui sont musiciens, mais il y a aussi beaucoup de frères qui sont agriculteurs. Et qui produisent énormément d'ananas, d'oranges, de citrons, d'avocats, de mangues, etc. Et qui nous disent qu'à chaque récolte, c'est des tonnes et des tonnes de fruits et légumes qui se perdent au Cameroun. Il y a plein de pays d'Afrique où les gens n'ont pas à manger. On lance un appel à toutes les ONG, à toutes les associations, de contacter le Papa Rasta Show via notre email qui sera inscrit en bas dans l'émission, et que vous nous contactiez pour qu'on puisse mettre en relation tout le monde et enfin pouvoir emmener les fruits et légumes dans les pays où il n'y a pas, dans les villages où il n'y a pas. Quand tu vois que en Algérie il n'y a pas les bananes alors qu'on est plein de bananes chez nous au Cameroun, c'est pas normal. Et voilà, alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Bon, moi ça a été mon idée de lancer un appel à toutes les associations, toutes les ONG, qu'on réunisse via le Papa Rasta Show, qu'on puisse faire les contacts et que ça soit fait correctement à travers le Papa Rasta Show, et qu'on lance les diffusions, les distributions interafricaines. C'est très important maintenant de rentrer dans ce genre de combat. Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez, les gars, quoi. Je suis d'accord. Imagine en Afrique. On ne dira pas qu'on parle de pauvreté en Afrique, je ne suis pas d'accord. Les Occidentaux eux-mêmes viennent s'enrichir ici sur nos différentes terres. Il nous faut simplement un peu de cohésion entre nous.
des Africains. Merci. Ils agissent des Africains qui ont des milliards. Merci. Mais ils ne peuvent pas. Papa, souvent j'en pleure. Quelqu'un peut avoir à lui seul 1000 milliards de francs CFA. À lui seul. Mais comprenez combien de fois on est méchant. Les petits frères dorment dans des cases, ils pleurent de faim. Ils ne sont pas prêts à injecter rien que le minimum pour que ces derniers-là puissent manger. Et c'est de ça que je parle. Je demande aux grands frères. Mais nous, on compte pas sur eux. On compte pas sur eux, Azrasta. Depuis qu'on a monté la maison des Rasta à Nantes, jusqu'à aujourd'hui, là pendant les confinements, la maison des Rasta, il y avait une association qui était devant la maison des Rasta, qui gérée par un Rasta, qui donnait de la nourriture aux gens, même ici en Europe. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est maintenant le temps de nous prendre en main vraiment nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes, mais pas seul. Et là, c'est un appel que je lance à tous les ONG, à tous ceux qui veulent faire quelque chose ou qui sont dans le métier de l'import-export ou qui ont des transports et qui veulent faire quelque chose pour leur Afrique, qui se disent après tout, faisons quelque chose avec ces gars-là, avec ces dreadlocks-là qui veulent unifier notre Afrique, faisons quelque chose avec eux parce que peut-être qu'ils ont raison, c'est peut-être le chemin qu'il faut qu'on prenne. Donc moi... C'est ça avec... le vrai combat, papa. Hein ? C'est pas le vrai combat, papa. C'est ça. C'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai combat. Et on va le faire. On va le faire. Je pense que les gens vont nous contacter pour qu'on puisse envoyer les ananas là où il n'y en a pas, les avocats là où il n'y en a pas, dans tout le continent. Et dans tout le continent. Donc j'en appelle à tous les Rasta agriculteurs. Préparez les récoltes. Préparez les récoltes. Car on va lancer ce grand mouvement de distribution de la bouffe dans tout notre continent. Et on va le faire à travers les artistes du Cameroun, du Ghana, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie. Et tous les artistes vont essayer d'œuvrer à ça. C'est un combat. On est rentré dans le vrai combat. On va continuer le combat de nos pères africains qui se sont battus pour l'unité de notre Afrique, pour l'amour de notre Afrique. Hein, les gars, en Côte d'Ivoire, vous en pensez quoi? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. God bless you, papa. Merci pour ton cri de cœur. Your message is very, very important, you know. Thank you very much. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Yeah. L'union fait la force. Voilà. Lève-toi et va-toi pour être au sommet. Yes, lève-toi, lève-toi et bats-toi. On a compris le message. Il y a Rasking Nico qui vient d'arriver. Alors les gars, voilà, je pense que c'est la grande idée qu'il faut avoir maintenant. C'est réunir les agriculteurs, réunir les transporteurs, et puis surtout que les gens nous disent, chez nous on n'a pas ça, chez nous on a de ça en trop, chez nous on n'a pas ça. Et on va s'organiser tout doucement, on va envoyer les trucs et on va les distribuer dans nos quartiers. Car chaque Rasta a un quartier, non? Oui, oui. Ouais. Voilà, voilà. Et avec vous, on espère qu'on va atteindre réellement cet objectif-là qui est d'unifier réellement les enfants d'Afrique. C'est ça, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, que Dja nous entende, que le Seigneur des Seigneurs nous guide chaque jour dans notre esprit pour qu'on arrive à ce but final, unir notre Afrique, que notre Afrique rayonne comme un soleil. Un soleil étincelant. Rastafari. Alors on va enchaîner. On va enchaîner les gars avec le clip de Maditem. Ah oui, en fait c'est un collectif. Et j'avais pour but d'unir ces jeunes gens qui étaient petits de talent. Et ça fait partie de ce même social parce que j'étais petit de talent, mais ils n'avaient pas réellement cette chance d'être promus. C'est-à-dire que donc je les ai pris, je les ai unis avec moi pour qu'on puisse chanter pour le social. Ah ben c'est bien. Et enfin, positif. Positif. Ben nous on est heureux de repasser ce clip. Big up à vous papa et maman Rasta Show. Big up. Hommage à ce grand monsieur, l'honorable Mamadou Diomandé, homme de culture, de valeur, de développement et de social. Maritime, il faut que la
jeunesse africaine se réveille. Pour produire son maïs, pour pouvoir s'installer, il faut qu'on arrête de compter sur Babylone. Ils ne feront rien pour sauver notre Afrique. Il faut se réveiller si on veut avancer, pour que le pays puisse se retrouver. Madi, Madi Timo. Madi, Madi Timo. Madi, Madi Timo. Madi, Madi Timo. Monde meilleur, dans lequel on peut s'entendre, que tu viennes ici ou d'ailleurs. Faudrait qu'il ait l'entente, surtout pour le bien de l'humanité, pour éviter une jeunesse ratée, pour pas ne pas vivre ensemble, se serrer les coudes, avoir un but commun, aller jusqu'au bout, aider la pauvre jeunesse, quel est l'objectif, et celle qui gagne, c'est l'Afrique maritime. Vivre en harmonie sociale, c'est être un capital, aider la jeunesse à se resserrer primordial. Il faut s'entraider, mais dans la mer, pour se défaire des mines de nos chemins. Cet instant haïssera un défi relevé. Les richesses inestimables sont données à tous dans un monde si grand où il y a la richesse pour tous. Développement, la culture et le social pour notre évolution. Le développement, la culture et le social pour notre évolution. Madi, Madi Timo. Madi, Madi Timo. Pourquoi ne pas chercher à vivre ensemble avec un but commun? Créer de la richesse, aider les plus démunis. Tu refuses d'aider les gens en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. La jeunesse souffre, souffre, souffre. Aidez la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît. De quoi y a qu'à aller, oh. Kamokouba, Kamokouba. Madi, Madi Timo. Création de richesse. Madi, Madi Timo. À travers le social. Madi, Madi Timo. À travers la culture. Madi, Madi Timo. Madi Timo, et le développement. Madi, Madi Timo. Aye bangole mamu, para veneno. Kanya jamana ba, akanga ola. Aye bangole mamu, para veneno le. Kanya jamana ba, akanga ola. Aye bangole mamu, para veneno. Kanya jamana ba. On vous dit merci d'avoir participé à cette émission. Merci vraiment à vous tous. Et merci à la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous à Abidjan là-bas. Ah oui, merci à vous tous à la Côte d'Ivoire. Vous avez ramené un peu de soleil de notre Afrique. Voilà. Et je pense qu'on aura des répercussions de ce grand mouvement qu'on veut lancer. On va aider toute l'Afrique. Rastafari. Et vous étiez au Papa Rasta Show.